Bonjour à tous les Étaniers et les Bouquetins, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en montagne, alors ce coup-ci de la vraie montagne. On est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude au point culminant de la crête de la Grande Montagne d'Arvillard qui se trouve dans la partie nord du massif de Belledonne et on est parti pour un bivouac d'une nuit, donc deux jours de rando, une nuit de bivouac à un petit col qui se situe un petit peu plus haut derrière moi qui est le col d'Arpingon, un bivouac qui sera allé à entre 2250 et 2300 mètres d'altitude et comme ils annoncent beau temps toute la fin de la journée ainsi que demain et pas trop froid cette nuit, on va pouvoir se faire un bivouac léger sous tarpe, ça va être sympa. Le cadre est magnifique, derrière moi on retrouve en sombre les grands moulins et puis ensuite qu'est-ce qu'on a derrière? On a le grand Missau, on a le pic du Frêne juste là et on continue avec le grand charnier par ici, par contre les mouches et les moustiques c'est un enfer ici. La Grande Montagne d'Arvillard, c'est un endroit qui est très sauvage, de même que l'arête nord des Grands Moulins qu'il y a derrière, et qui en plus a l'avantage d'être assez accessible, puisqu'il y a une route qui part de Détrier, et cette route-là monte quasiment jusqu'à 1750 mètres d'altitude au parking de Valpelouse. Il y avait une ancienne station de ski de piste ici, station qui a fermé, bon maintenant il y a un peu plus de 30 ans, mais la route est toujours là, alors même si elle est un peu chaotique, on peut arriver, à être complètement perdu en montagne, entre les Bauges qui sont en face de moi et que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, le Mont Blanc qui est à ma droite, Belledonne qui est derrière et la Chartreuse qui est à gauche. Et c'est un havre de paix si on fait un peu abstraction de toutes les mouches, mais enfin bon, c'est le lot de toute randonnée en montagne du début de l'été. Je profite d'une petite pause pour vous décrire le parcours qu'on va faire aujourd'hui et en fait il s'agit simplement d'un aller-retour, donc demain on fera le parcours donc, que je vais décrire aujourd'hui mais dans le sens inverse. On part donc du parking de Valpelouse, de l'ancienne station de ski et à partir de là l'objectif ça va être d'arriver au refuge de la Perrière et pour ça il y a deux principaux chemins possibles, soit le chemin du bas, soit le chemin des crêtes. Aujourd'hui on est passé par le chemin des crêtes qui rajoute 200 à 250 mètres de dénivelé par rapport au chemin du bas et qui est du coup un petit peu plus difficile et un petit peu plus technique. L'avantage en faisant la crête de la Grande Montagne d'Arvillard, c'est que on a bien sûr des vues un peu plus dégagées, des 360 qui sont sympas, et on monte face à l'arête nord des Grands Moulins qui est quand même assez imposante. Une fois qu'on arrive au sommet de la Grande Montagne d'Arvillard, à un peu plus de 2070 mètres d'altitude, on redescend sur le col de la Perrière qui est environ à 2000 mètres d'altitude et qui est un coin relativement sauvage par lequel passe le GR 738. Il est sauvage en partie parce que on a une vue sur la combe de l'Arbéneuf qui est une toute petite combe bien coupée du monde entre les Grands Moulins et le Rognier. Une fois qu'on est au col de la Perrière, on redescend vers le refuge de la Perrière. Il y a environ 150 mètres de dénivelé à descendre sur un sentier qui est le sentier du GR 738, donc qui est de bonne qualité, même si il vaut mieux avoir le pied un peu montagnard pour les cailloux, les racines et les mottes de terre. Et une fois qu'on arrive au refuge de la Perrière, à ce moment-là, possibilité d'aller aux toilettes, puisqu'il y a des toilettes sèches, de se reposer un peu et de faire le plein d'eau grâce à la source, on prend un chemin qui est balisé en direction du col de la Frêche. Un tout petit peu en dessous du col, il y a une bifurcation qui nous amène au col d'Arpingon. On quitte le chemin du col de la Frêche, allez, on va dire 20 mètres de dénivelé en dessous du col. Pour remonter une longue combe qui est ombragée le matin et plein cagnard dans l'après-midi. Et cette combe-là nous amène progressivement à une crête que l'on va suivre jusqu'à arriver au col d'Arpingon.
Ça y est, vous pouvez le voir avec les panneaux qui sont juste derrière moi. Je suis arrivé à la bifurcation des deux chemins. Le premier chemin qui va au col de la Frêche, qui est juste derrière moi, et le second chemin qui est juste devant moi et qu'on va suivre après... Oh, ça roule. Chemin qu'on va suivre juste après la pause et qui va nous conduire au col d'Arpingon. Juste derrière moi, l'arête qui monte au Grand Moulin, les Grands Moulins qui sont... ici, les Grands Moulins qui culminent à 2495 mètres, qui est un des sommets les plus hauts de la partie nord de Belledonne. Dans le secteur, le Big Boss reste quand même le pic du Frêne avec un peu plus de 10 800 mètres d'altitude. Donc un vallon très sauvage avec, alors là c'est la fin du mois de juin, il y a des fleurs partout, il y a des pulsatiles, il y a des champs de pulsatiles, c'est juste magnifique. Et puis du calme, c'est reposant. Ça permet tout simplement de laisser aller ses pensées, son imagination, se ressourcer. Et puis voilà, en plus aujourd'hui il y a une belle compétition de parapente, que ce soit à Valpelouse ou à Supercollet. Donc il y a des dizaines, voire même des centaines de voiles multicolores dans le ciel, c'est super, on a un ciel en mode sapin de Noël. Thank you.
Ça y est, on est enfin arrivé au col d'Arpingon à 2273 mètres, je crois, ou 76, après 9 km de marche depuis le parking de Valpelouse et environ 850 mètres de dénivelé. Et bah, c'est magnifique, il y a du vent, un petit peu d'air, c'est chouette, il y a des fleurs partout et le panorama est splendide. Avec les grands moulins derrière qui ne nous ont pas quittés toute la journée. Et puis, je vais vous montrer. Bam ! La Vanoise. Avec quelques nuages. Et plus proche de nous, on retrouve les montagnes de Belledonne, avec en face le Grand Missau. Pris un tout petit peu dans les nuages, le pic du Frêne. Et sur sa droite, la pointe de Bourbière et le Grand Charnier. Alors, ce qu'il y a de trop cool avec le col d'Arpingon, c'est qu'en plus d'avoir une vue incroyable, un petit névé qui en cette saison permet d'avoir en plus un petit peu d'eau, eh bien, c'est qu'il y a une super place à bivouac. C'est tout plat, il y a de l'herbe, il n'y a quasiment pas de rochers, c'est parfait, on se croirait presque en Suisse. Et puis, ben, un environnement exceptionnel, le pic du Frêne toujours au fond, un petit peu de caillasse pour vraiment se croire en montagne, un ciel bleu, des jolis nuages, et la solitude. Et voilà, le bivouac est monté. Alors, ça a été un petit peu long, parce qu'il y a finalement il y a pas mal de vent, même en étant dans un petit creux. Aujourd'hui, je teste un truc. Alors, quand je dis que je teste, j'ai déjà fait des tests, on va dire, à basse altitude, mais voilà, j'ai pris mon poncho Sea-to Summit, alors Ultra-Seal Nano, donc c'est un poncho qui fait aussi tarpe, et du coup, puisque il va faire beau toute cette nuit, et il va faire beau tout demain, bah, je me suis dit, allez, plutôt que de prendre mon double toit de tente, et bah, je vais prendre ce poncho-là, et puis je vais tester en vraies conditions, c'est-à-dire en conditions montagne. Et bah, déjà, ce que je peux dire, c'est que à monter, alors sauf là, avec le vent, c'est un peu pénible, mais finalement, ça se monte relativement vite. Là, avec le vent qui souffle quand même relativement fort, j'ai dû mettre moins de 10 minutes. Et puis ensuite, installer le matelas gonflable, le sac de couchage à l'intérieur, et ben en tout j'en ai eu pour une bonne grosse quinzaine de minutes, 15-20 minutes à monter tout ça. Alors, il y a plusieurs façons de monter, de l'utiliser en tarpe. Alors, je vais pas tout redéfaire pour montrer les différentes façons, il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais voilà, donc en tout cas, moi ce que j'ai choisi là, c'est ben, la version tente finalement, avec un bâton à chacune des deux extrémités au milieu, et puis 4 sardines à chaque bout. Alors bien sûr, pour chaque bâton, il y a un hauban qui est fixé grâce à une sardine, et puis voilà. Alors ça fait quelque chose de relativement long, puisque le poncho fait 2,60 m, je crois, par 1,45 m de large. Et bien, ça fait qu'on n'a pas un abri finalement très très haut. Alors voilà, si on fait le tour du propriétaire, et ben finalement on a quand même bien la place de mettre un matelas. Mon matelas fait 64 de large, c'est un Regular Wild Nemo Tensor Insulated, et puis j'ai mon sac de couchage Thermarest Hyperion -6, pas parce qu'il fait froid maintenant, parce qu'en fait il va faire relativement froid cette nuit, vu qu'on est quasiment à 2300 mètres, ils annoncent 7 degrés cette nuit, donc voilà. Ah bah écoutez, première fois que je fais ça en conditions réelles, et bah je vous donnerai mes retours demain. Thank you.
se retrouve en plaine pour le débrief de cette nuit en tarpe avec pour la première fois un test du Sea to Summit Ultraseal Nano 15D en mode tarpe et pas uniquement en mode poncho, et donc un test en altitude à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Alors je vais commencer par les points positifs, puis les points négatifs, et puis en fait à la fin je donnerai mon ressenti sur ce test là, sur cette expérience. Alors le premier point positif, c'est que c'est léger, c'est très léger. Le tarp, le poncho tarp fait environ 200 grammes, je crois qu'il est annoncé à 230, mais moi sur ma balance il est à 200. Si on rajoute à ça le système, donc moi j'avais 6 sardines, plus 2 haubans et quelques bouts de ficelle, et j'ai pesé le tout à 290 grammes, donc c'est sûr qu'un des gros points, un des gros avantages, c'est que c'est un système de couchage vraiment léger. Quitte à avoir un poncho dans son sac pour la randonnée, et ben autant qu'on puisse avoir une double utilisation, et en particulier ici l'utilisation tarp. Ensuite, le second point positif, alors ça c'est commun à tous les tarps, pas spécialement au poncho tarp Sea to Summit, et bien c'est la facilité de montage, en particulier dans la configuration que j'avais choisi de faire, la configuration en canadienne. C'est vrai qu'il suffit de quelques minutes et puis c'est monté, ça fait un abri. Hier ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ce qui m'amène au point suivant, la résistance au vent, du coup ça résiste. Il a soufflé toute la nuit, il a soufflé relativement fort quand même, et ça n'a pas bougé. Alors en tout cas, il n'y a eu aucune déchirure. Le matériau utilisé, pas de souci, c'est validé pour des conditions de vent fort. Peut-être pas de vent extrême, mais en tout cas de vent fort et prolongé. Autre point positif qui est pratique en montagne, en particulier quand on est dans des endroits où il y a pas mal de rochers, de pierriers. Alors ça pareil, c'est un avantage qui est présent pour tous les tarpes, en tout cas pour les tarpes classiques, c'est la faible emprise au sol. Là, tel que c'était monté, ça faisait 2,60 m de long sur environ 1,10 m de large. Et j'aurais pu choisir de monter le tarp d'une autre façon, de telle sorte à ce que ça ne fasse pas 2,60 m de long, mais que je le ferme en fait à une des deux extrémités de la canadienne. Et ça aurait fait, je ne sais pas, quelque chose comme, du coup j'imagine, aux alentours de 1,90 m. Autre avantage aussi de dormir en tarpe, en tout cas en tarpe ouvert comme ça, c'est tout simplement que la nuit on peut voir les étoiles et sentir l'air frais, et ça c'est top. On est vraiment beaucoup plus proche de la nature, enfin moi je trouve en tout cas que j'ai un ressenti plus proche de la nature que lorsque je dors en tente, voire même des fois la tente, je me sens un petit peu écrasé à l'intérieur, une sensation de fermeture ou d'oppression. Je sais qu'il y en a qui ont une sensation de sécurité. Moi, ça ne me le fait pas du tout. Je préfère être ouvert. Alors bien sûr, par beau temps, hein, c'est-à-dire que quand il pleut ou quand il fait vraiment très froid, je suis assez content d'être en tente. Mais là, ce n'était pas le cas il y a deux nuits maintenant. Donc voilà, j'ai été très content de retrouver du tarp dans ces conditions climatiques clémentes, mis à part le vent. Avant de passer au point négatif, vous avez dû le remarquer en regardant la vidéo, j'ai oublié de prendre mon sursac. Alors c'est un Narva Escape Lit, et du coup j'ai fini trempé. Dormir sous tarpe sans avoir de sursac, c'est quand même un petit peu risqué, en particulier à haute altitude, et en plus dans un contexte où il a quand même pas mal plu ces derniers jours. Alors même si il faisait beau au moment de la sortie, les jours d'avant ont été assez humides, et du coup tout simplement ça s'évaporait, et le vent faisait aussi que ça ramenait de l'humidité, et puis aussi l'humidité dégagée par le corps, et la chaleur dégagée par le corps qui fait que ça facilite la condensation entre l'air plus chaud qui est sous le tarp et l'air plus frais qui est du coup à l'extérieur. Donc voilà, j'ai fini trempé. Et il y a quelque chose que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, j'y ai pensé plus tard, c'est de dédoubler mon film de survitrage qui me sert à protéger mon matelas de sol du sol. Je pars avec une feuille de survitrage qui fait 200 par 150. Je la double, comme ça, ça augmente un petit peu la résistance. Pour 45 grammes, c'est vraiment pas du luxe.
Et en fait, j'aurais pu la dédoubler et me faire un genre d'enveloppe. Et ben, j'y ai pas pensé sur le moment et j'ai été bien bête. J'y ai pensé le lendemain matin quand j'ai plié la feuille pour lever le camp. La prochaine fois que j'oublierai mon sursac, j'y penserai. Mais j'espère bien que je n'oublierai plus. Je vais passer au point négatif et le principal point qui m'a embêté, en fait, qui m'a gêné, c'est la taille du tarp. En particulier dans des conditions de vent comme ça, c'est recommandé de mettre un tarp proche du sol pour éviter tout simplement qu'il y ait une prise au vent trop forte. Et avec un tarp qui fait 260 par 145, alors le 260 c'est pas un souci, c'est suffisant. Par contre, le 145 c'est beaucoup trop court. J'ai un autre tarp qui est en 285 par 245 ou 280 par 245. Et c'est vrai que de rajouter un mètre en largeur, ça change la vie. Ça permet d'avoir en fait un environnement beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup moins proche des parois du tarp, d'être en particulier loin de la condensation. Donc voilà, ces dimensions-là ne permettent pas de créer un grand volume habitable, surtout que le poncho pourrait être un tout petit peu plus large, ne serait-ce que pour couvrir un petit peu mieux les bras, quand on l'utilise en mode poncho. Donc pourquoi pas faire une version en 260 par 200, par exemple. Alors c'est sûr que ce serait un petit peu plus lourd, mais il pèse 200 grammes. Si on passe de 200 à 240 grammes, ça reste quand même sacrément pratique d'avoir cette double utilisation. Ce souci de volume habitable est moins gênant quand il n'y a pas de vent, puisque on peut surélever le tarp, ou en tout cas le mettre dans une autre configuration. Une autre petite chose qui manque, je trouve, sur ce poncho tarp, c'est une boucle ou deux boucles pour attacher des haubans, mais des boucles qui se situent au milieu du tarp, ou en tout cas au premier tiers et au deuxième tiers. Il y a suffisamment de boucles, en tout cas pour mon utilisation de boucles en tissu sur le périmètre du tarp. Il y a une boucle à chaque sommet et il y a une boucle à chaque milieu de côté. Donc ça fait en tout sur le périmètre 8 boucles, et une boucle ou deux au milieu du tarp, je trouve que ça aurait été pas mal, tout simplement pour pouvoir donner un petit peu de volume dans certaines configurations tarp. Alors je comprends aussi que ça puisse être délicat de faire ça, parce qu'il y a une zone de faiblesse au niveau de la capuche, et je me dis, si on tire un peu trop, si on tend le tarp autre part qu'à partir de la périphérie, eh bien peut-être que ça peut justement créer des contraintes un peu trop fortes sur la zone de la capuche qui est un peu plus faible, et peut-être que c'est propice après à la casse et aux déchirures. Une dernière limite possible pour ce poncho tarp, c'est en fait sa capacité à être imperméable. Donc il est annoncé à 1200 Schmerber et c'est le minimum du minimum pour être considéré comme imperméable, pas étanche. Alors c'est vraiment pas beaucoup. Si on prend par exemple le tarp Decathlon MT 900 qui doit faire 70€, il est annoncé à plus de 2000 Schmerber. Donc à voir comment ça résiste en situation de pluie. J'ai jamais testé dans ces situations-là. Dès que je savais que j'allais être confronté à de la pluie, je partais avec le double toit de ma tente et j'utilisais pas du tout le poncho pour faire tarp. Alors le bilan, j'ai passé une bonne nuit globalement. Les quelques fois où je me suis réveillé, j'ai quand même entendu que ça soufflait bien. Il y avait de bonnes bourrasques et tout a tenu, et à aucun moment je me suis inquiété. Pas de souci au niveau de la résistance. Le gros point négatif, en plus de mon oubli du sursac, c'est vraiment la dimension. Je pense que ce poncho-là peut se transformer en tarp pour des conditions peut-être à plus basse altitude, en particulier dans des cas où il n'y a pas de vent, des cas dans lesquels on peut faire un tarp en hauteur. Là, il n'y a aucun souci, mais sinon, c'est vrai que l'habitat est un petit peu exigu, on va dire. Alors, mon bilan, c'est que si je fais un bivouac en conditions humides, de toute façon, je partirai avec le double toit de ma tente, au moins, et le poncho. Donc, ça ne changera rien pour moi, quitte à choisir entre le poncho tarp et le double toit de ma tente, je monterai le double toit de ma tente. Si maintenant je pars en conditions sèches, j'ai globalement trois possibilités. La première possibilité, c'est de dormir à la belle étoile, ce que j'adore faire. Donc là, j'ai juste besoin de mon sursac.
ni poncho, ni double toit de la tente. Et là, clairement, c'est la configuration la plus légère et aussi la plus simple au moment de poser le campement. La seconde configuration, eh bien, c'est celle que j'ai là, à savoir le poncho tarp et le sursac. Donc un petit peu plus lourd, éventuellement ça peut protéger un petit peu du vent. Voilà. Et puis la dernière configuration, c'est double toit de la tente. Je ne prends pas le poncho puisque je suis en condition sèche. Et je ne prends pas le sursac puisque le double toit de la tente donne un espace dans lequel je risque pas de toucher les bords, sauf si je bouge énormément au milieu de la nuit. Et je dirais alors que le choix poncho tarp plus sursac est peut-être celui qui a les inconvénients des deux autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi léger que si je dors à la Belle Étoile, bien sûr, puisque j'ai le poncho en plus, ainsi que les sardines et les haubans. Et quand on regarde par rapport au double toit de la tente, bah, le double toit de la tente plus les sardines, ça fait un système de couchage à environ 600, un tout petit peu plus de 600 grammes. Et comparé aux donc 290 grammes du poncho plus sardine plus système d'attache et les environ 160 grammes du sursac, on arrive à ce moment-là à 450 grammes environ et à choisir pour 150 grammes de plus, ma foi, en particulier sur des bivouacs de plusieurs jours, je reste sur le système du double toit de la tente. Donc c'était une expérience sympathique, mais je pense que je la referai pas. Comme je disais, si je vais être proche des étoiles et du ciel, eh ben, je couche à la Belle Étoile. Si je veux être un peu plus abrité, eh ben, il suffit que je prenne le double toit de la tente, ce qui m'évite de prendre le sursac. Et finalement, pour un confort à mon avis un petit peu plus élevé quand même, en tout cas de mon point de vue, je n'ai que 150 grammes en plus par rapport au système tarp poncho plus sursac. Pour terminer, même si je ne retiendrai pas ce système de couchage pour mes futurs bivouacs en altitude, j'ai adoré passer ces deux jours en Belledonne et retrouver les odeurs et les sensations eh bien, de passer une nuit en montagne en altitude. C'était ressourçant et puis les paysages étaient magnifiques avec toutes les fleurs de fin de printemps et de début d'été. Si vous aussi ça vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir eh bien, les futures vidéos de cette chaîne. Partagez, laissez un sabot bleu. Et puis moi je vous laisse avec un panorama des montagnes de derrière. Et bien sûr comme d'habitude, c'est Belledonne Nord. À bientôt.